Voyez-vous, depuis le mois de septembre dernier, nous avons commencé, et c'est le thème de l'année, le thème de l'année 2008, c'est l'année de la manifestation des fils de Dieu. Et depuis le mois de septembre dernier, nous avons commencé cette série qui s'appelle Devenez la personne que vous devriez être. On a vu le volume 1, le volume 2, le volume 3. Et après, on a ouvert une parenthèse, on a ouvert la parenthèse pour commencer à parler de l'impact de la révélation du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Et on a commencé à comprendre que le royaume de Dieu n'est pas une religion et que la Bible ne parle pas de religion. La Bible, c'est l'histoire. Quand tu dis notre Père qui es aux cieux, il faut savoir qui est le papa, qui est ton Père. C'est important. Et on a vu que tu ne peux pas connaître. De toute manière, c'est important de connaître ton Père. Parce que si tu ne connais pas ton Père, sans Père, tu n'as pas de repère. Et ton identité ne commence pas par toi, ton identité commence toujours par ton Père. Voilà pourquoi on dit Ivan Castanou. Si je dis Ivan, tout simplement, ça ne suffit pas. Il faut associer le nom. Il faut associer le nom du Père. Et le Père fait toute la différence parce qu'il est celui qui met le repère, qui met le référentiel. Si tu n'as pas de Père, si tu ne tu sais pas qui est ton Père, généralement, tu ne peux pas connaître ton identité. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que si tu n'as pas de Père biologique ou si ton Père biologique a échoué, ton Père céleste n'échouera pas. Quelqu'un dit Amen. Non, j'ai dit quelqu'un dit Amen. Voilà, donc c'est important de connaître le Père. Et le Père en question, il faut savoir que ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un président. Quelqu'un a écrit un livre récemment qui est publié dans les librairies. Il faut leur dire de sortir tout ça de librairie, qu'ils mettent un peu, il faut que ça change, mon livre là, vraiment. Qu'ils arrêtent de mettre n'importe quoi. Quelqu'un a écrit un livre, La République de Dieu. J'ai dit que j'ai vu le titre du livre, j'ai dit, mais ce n'est pas une république, c'est ça le problème justement. Ce n'est pas une république, parce que quand il dit République de Dieu, il veut vouloir changer la constitution du royaume des cieux qui s'appelle la Bible. On ne change pas la Bible parce que le changement de la constitution est la seule prérogative du roi dans un royaume et pas du peuple. Quelqu'un dit Amen. Ah oui, c'est important de comprendre ça mon frère. Ce n'est pas l'histoire d'une république, c'est l'histoire d'un royaume. Donc ce n'est pas la République de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Il aurait dû mettre ça, mais bon, comme il ne connaît pas, il n'a pas la révélation. C'est dommage. Et donc, c'est important de comprendre que c'est l'histoire, Dieu, c'est l'histoire d'un roi qui règne sur un royaume et que les cieux et la terre sont son territoire. Et c'est l'histoire d'un roi, d'un royaume, d'une famille royale, d'un royaume qui était perdu, d'un royaume qui était rétabli, restauré ou remis en place grâce notamment au conseil des ministres de Dieu. Alléluia. Et que, j'espère que tu as compris maintenant que tu es un ministre du gouvernement divin ou un fonctionnaire du royaume de Dieu et dans un pays, puisqu'on a vu que le royaume était un pays où il n'y a pas de réduction d'effectifs, dans un gouvernement, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de coupure budgétaire, il n'y a rien, mon ami, il y a l'abondance et on recrute en permanence. Il y a la place pour tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Oh, j'ai dit quelqu'un dit Amen. Je viens au troisième culte et tu viens déjà au nom de Jésus, je brise cet esprit de lourdeur dans le nom de Jésus. Nous, on est au troisième culte. Hein, et j'ai prêché de dimanche hein, jusqu'à jeudi soir. 2 heures par jour. Oui, oui. Alléluia. Bon. On va ouvrir nos Bibles à Luc, chapitre 8. Je disais donc. Et en fait, je disais que. Oui, c'est ça, je disais. Et je réalisais que depuis le mois de septembre, en fait, nous ne parlons essentiellement que de l'identité. Parce que lorsqu'on enseigne sur le royaume de Dieu, sur la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un. Qui est le roi des rois, puisqu'il est le roi, donc bon, on a compris que j'étais le roi, mais on est en train de parler, en fait, depuis le mois de septembre, de l'identité, parce que nous avons vu que l'identité est le pilier, le fondement de la vie, et que si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas opérer. Tout commence toujours par qui je suis, et parmi les 10 piliers que nous allons voir cette année, depuis, je me rends compte que depuis le mois de septembre, je suis juste au pilier numéro 1, depuis 8 mois, ça, c'est fort, c'est l'identité. Et bientôt, je vais vous parler de la puissance de la vision, qui est le pilier numéro 2. On va aborder les semaines prochaines. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une pause et de réfléchir et de méditer par cette exhortation que nous allons trouver dans Luc chapitre 8 à partir du verset 5. Alors, je lis la parabole, nous la connaissons tous, c'est la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation.
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que quelqu'un dise Amen. Je vais vous parler maintenant, le Seigneur m'a dit de faire une pause et de réfléchir un peu aux quatre types de cœurs qui existent face à la parole de Dieu. Ou encore, quatre types de terrains. Quatre types de terrains, de champs ou encore de cœurs face à la parole de Dieu. Nous avons tous compris dans cette parabole que le semeur, c'est Dieu lui-même. Et Jésus dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Je me suis posé la question, comment peut-on écouter les mêmes choses, les mêmes phrases, même commencement, même fin de la phrase, et ne pas produire les mêmes fruits? Comment peut-on entendre la même chose et ne pas être affecté de la même manière par ce que nous entendons? Le problème viendrait-il de la parole? Assurément non, car la Bible nous dit que cette semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est redoutable. La parole de Dieu, la Bible dit que le Fils soutient l'univers entier par sa puissante parole. C'est la même parole qui maintient le cosmos en harmonie et en équilibre. C'est la même parole qui court et qui agit avec rapidité. C'est la même parole qui donne des instructions au soleil, qui donne des instructions à la lune, qui donne des instructions aux neiges, au vent, au brouillard, au vent impétueux. C'est la même parole que dont la Bible dit qu'il a magnifié sa parole au même niveau que son nom. Cette parole est puissante, cette parole est redoutable. C'est la même parole qu'il envoya et qui les fit échapper de la fosse. C'est la même parole qu'il envoya et qui les guérit de toute maladie, douleur et infirmité. C'est la même parole qui transforme les mentalités. C'est la même parole qui déploie les potentiels. C'est la même parole pour laquelle il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole est extrêmement puissante. Dis avec moi la parole de Dieu. Mais bon sang, mais pourquoi est-ce que cette parole ne produit pas les mêmes effets partout? Et là, il m'a dit, en fait, bien qu'elle tombe toute puissante, tout dépend du terrain sur lequel elle est plantée, elle est semée. Or, vous devez comprendre une chose, si tu veux accoucher quelque chose, si tu veux accoucher d'un enfant, il te faudra une semence. Et le mot grec de semence, c'est le mot sperma. Si physiquement, ma soeur veut enfanter, chacun de nous ici est le résultat d'une semence qui était plantée dans un sein maternel. Quelqu'un me dit Amen. Chacun de nous est le résultat d'une semence qui était plantée dans un sein maternel. C'est le mécanisme selon lequel Dieu opère. Il n'emmène rien à manifestation sans avoir libéré une semence. Il donne une semence, et puisque tout ce qui est physique n'est que le reflet de ce qui est spirituel, Dieu envoie la semence, et c'est la semence qui contient la vie et la capacité. Une fois que la semence a été reçue, elle a été acceptée, elle a été protégée, préservée, cultivée, nourrie. C'est cette semence qui emmène l'enfant quelques mois plus tard à manifestation. Et n'oubliez pas que dans cette parole, dans cette semence, il y a la vie. Dans cette semence, tu vois la semence, quand tu vois le sperma, ça a l'air d'être un liquide. Mais dans ce liquide, il y a potentiellement des yeux, des mains, des cheveux. Il suffit juste qu'il y ait fécondation. Dès qu'il y a fécondation, dès que cette parole est acceptée, comme Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle a accepté. Et dès qu'elle a accepté, automatiquement, il y a eu fécondation. La semence de Dieu est venue dans le sein de Marie, fécondation. Donc, si tu veux accoucher d'un miracle qui s'appelle témoignage, qui s'appelle distinction, qui s'appelle confiance, assurance, audace, excellence, quel que soit l'enfant dont tu veux accoucher, Dieu va toujours te donner des semences. Et ces semences sont puissantes, elles sont redoutables parce qu'elles contiennent la vie. Elles sont la vie à l'intérieur. Quelqu'un dit Amen. Alors, la question c'est qu'est-ce que tu fais avec ces semences? Et dans cette parabole, nous voyons qu'il y a quatre types de terre. Ou encore de cœur. Alors le premier type, c'est ce que Jésus décrit comme étant ceux qui tombent, les grains qui tombent au bord de la route. Alors il dit, comme il semait, verset 5, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Les oiseaux sont venus manger et Jésus explique que ça c'est lorsque quelqu'un entend la parole. Lorsque quelqu'un entend la parole, l'ennemi vient sous forme d'oiseau, et puis il enlève ce qu'il a entendu de peur qu'il ne croit et qu'il ne soit sauvé.
Mais pourquoi est-ce que les oiseaux viennent voler la semence? C'est parce que celui qui l'a entendu, Jésus dit, qu'il a foulé au pied. Il a méprisé la valeur et la qualité de ce qu'il a entendu. Ça, c'est l'attitude des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui s'en foutent totalement, qui sont autosuffisants. Bref, ils rejettent la parole de Dieu. Et donc, cette parole n'a même pas, cette semence n'a même pas l'occasion de entrer en terre et de faire germer quelque chose. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a été foulée au pied. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Ça, c'est le cas des incroyants. Quelqu'un qui rejette Dieu. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Mais même pour ceux qui reçoivent la semence, ce n'est pas tout. Tout le monde sait que ce n'est pas toutes les grossesses qui arrivent à terme. Alors, il y a la deuxième catégorie. Ceux qui reçoivent la semence sur le roc. La Bible dit, une autre partie tomba sur le roc, verset 6, quand elle fut levée, c'est-à-dire que la semence a été plantée, elle a été reçue, puisqu'elle a été levée. Il y a un petit plant qui a commencé à sortir du sol, mais elle a séché parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et Jésus explique que cette catégorie de gens, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, disent « Alléluia !» Ouf, yerebrus. Ah, ouh, ah, aujourd'hui c'était puissant. Puissante parole, un enseignement puissant. Ah, là vraiment, je suis touché. Ça c'est les gens qui sont touchés par la parole, mais ils ne sont pas transformés par la parole. Ils sont heureux. La Bible dit leur chose avec joie, il dit Alléluia, ah, ce que je cherchais. Combien de gens sont touchés par la parole? Ils sont ici, ils sont touchés, mais tout le long de la semaine. Parce que tout le long de la semaine, les gens commencent, quand ils commencent à essayer de partager sa joie, partager sa foi, les gens commencent à essayer de te refroidir. Ah, tu en fais trop, tu te prends pour qui? Ah, tu nous embêtes et tu nous fatigues, on ne te reconnaît plus du tout. Est-ce que tu ne serais pas tombé dans une secte par hasard? Est-ce que tu fais parce que maintenant tu es devenu bizarre. Et puis on commence à te. Alors soit on se moque de toi, et personne n'aime qu'on se moque de lui. Ou soit on te critique, et personne n'aime être critiqué. Sauf peut-être moi, parce que ça me produit une adrénaline spirituelle extraordinaire. Plus tu me critiques, plus tu fais de moi quelqu'un d'excellent. Je t'assure. Oh. Soit. Mais il y a toujours quelque chose, la Bible dit, dès que survient une difficulté, ou une épreuve, ou une persécution à cause de la parole, la Bible dit, la personne lâche, elle lâche prise, elle abandonne parce qu'elle n'était pas enracinée. Et pourquoi elle n'était pas enracinée? Parce qu'il n'y a pas d'humidité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. C'est la personne qui ne comprend pas qu'être touché n'est pas un but. C'est un événement, mais être transformé est un processus volontaire qui requiert ta collaboration totale. Quelqu'un dit Amen. Tu es touché. Et alors? Les gens qui me disent, ah, la parole de Jésus m'a touché. Je m'en moque. Est-ce que cette parole est devenue chère? C'est là la question. Est-ce que cette parole a manifesté une autre nature? Est-ce que cette parole a manifesté en toi une autre culture? Telle est la question. Est-ce que cette parole t'a tellement transformé que tu as commencé à vivre différemment? À penser différemment, à voir différemment et à te comporter différemment. Si ce n'est pas le cas, tu es touché aujourd'hui. D'ailleurs, il a été démontré que lorsque tu entends quelque chose pour la première fois, ça te touche. Amen. Gloire à Dieu. Mais deux semaines plus tard, si tu n'as pas réécouté ce que tu viens d'entendre constamment, si tu n'as pas médité, si tu as juste été touché aujourd'hui, dans deux semaines, il ne reste plus que 2% de ce que tu as entendu deux semaines plus tôt. Autrement dit, retour à la case départ et ta vie ne change pas. Pourquoi? Simplement parce qu'il manquait l'eau. Il manquait l'eau pour alimenter le petit plant qui avait commencé à pousser. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'humidité. Oh, la Bible dit dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Et dans le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ah, mais voilà la clé. Il aurait juste dû cesser, cette personne-là, elle aurait dû cesser de fréquenter le conseil des méchants, de fréquenter la voie des pécheurs. Tu as accepté Jésus-Christ
et tu fréquentes la voie des pécheurs, et tes meilleurs amis, ce sont des cadavres. Tu ressembles à cet homme de Gadara, ce démoniaque de Gadara, dont la Bible dit qu'il passait son temps, dans Marc chapitre 5 ou 4, 5 je crois, la Bible dit qu'il passait son temps dans les cimetières. Qu'est-ce que tu fais avec les cadavres? Ça ne me choque pas que tu sois avec les cadavres, tant que c'est pour leur communiquer la vie qui est en toi. Mais lorsque tu fréquentes les cadavres pour leur ressembler, car la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, lorsque tu fréquentes les cadavres pour sourire avec eux, et quand ils dansent, toi tu danses, quand ils bougent, toi tu bouges, quand ils disent M-E-D-E, toi tu dis P-U-T-A-I-N, explique-moi qu'est-ce que tu fais là-bas. Baisse la tête. Et je suis choqué, mon meilleur ami n'est pas converti. Hein? Franchement, la Bible dit que l'homme animal, il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'inconverti. L'homme charnel, c'est le bébé dans la foi, celui qui a reçu mais qui n'est pas transformé. L'homme spirituel, c'est celui qui peut juger et discerner de tout. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Comment tu fais pour avoir ton meilleur ami? Donc avec quelqu'un avec qui tu es complice, donc qui te comprend et que tu comprends, comment tu fais pour avoir un meilleur ami, comme meilleur ami un inconverti, alors qu'il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit? Ça veut dire qu'il ne voit pas en toi les choses de l'esprit. Mais sinon, vous ne pouvez pas être amis. Il ne voit pas en toi les choses de l'esprit. Il ne voit rien. Il couche, tu couches. Il est broke, tu es broke. Il ment, tu mens. Il dit, mais c'est mon ami. Oui, on est potes. Bon, moi, je vais à l'église. Toi, tu vas où? En boîte de nuit. On se voit tout à l'heure. C'est la seule différence qu'il y a entre vous deux. Qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce que tu veux qu'un incroyant comprenne à ton message lorsque tu lui dis que je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière? Je suis un extraterrestre, Christ sur la terre, mais je repartirai bientôt quand j'aurai fini ma mission. J'irai me reposer de mes œuvres. Tu vas aller où? Là-haut. Mais Ivan, tu es vraiment zinzin, tu es un peu. Là, il te. Mais s'il ne te prend pas pour un taré, c'est que. Non, c'est que tu n'es pas taré, mais c'est que quand même, il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Il doit te prendre pour un fou, mais en même temps te respecter parce qu'il voit que tu manifestes un caractère et un fruit que lui n'a pas. Parce que nature humaine, si on te critique, imagine-toi quelqu'un, on vient te dire que le gars, il a dit du mal de toi. Il a dit du mal de toi au bas, elle a mal parlé de toi, elle t'a critiqué, elle t'a sali. Et toi, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, je suis sûr que c'est quelqu'un de bien. Non, mais tu n'as pas compris. Je te dis qu'elle t'a critiqué, là. Tu as vu? On t'a fait du mal, là. On t'a fait du mal. Parce que là, moi, tu fais du mal, là, ça ne va pas passer. Ouais, mais c'est quelqu'un de bien. Je dis, mais attends, bon, je sais que tu es disjoncté des fois, mais quand même, tu as une attitude bizarre. Mais tu vois, il va te trouver fou, insensé, mais il va te respecter parce qu'il va dire non. Il y a quelque chose qui sort de ta vie qui fait envie. En fait, il te critique, mais en même temps, plus profond de lui, il a envie de te ressembler. Parce qu'il dit, moi, j'aimerais bien pouvoir passer moi aussi les tribulations sans être déprimé, sans connaître la dépression et me shooter aux antidépresseurs. Comment tu fais, toi? Parce que toi aussi, tu viens de loin, là. Oui, mais moi, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Mais moi aussi, j'aimerais être rassuré. Mais si tu veux être rassuré, il faut que la lumière t'accompagne. Parce que c'est pas que quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, c'est pas qu'il n'y a rien. C'est qu'il y a une lumière qui me rassure. C'est tout. La lumière là. S'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a la lumière. Depuis que j'ai compris ça, je dis, Seigneur, tu es quand même là. Si tu es là, alors je suis détendu. Mais comment tu pourrais être détendu? Parce qu'il est en moi. Ouais, mais tu vois, il ne peut pas te comprendre. Donc quand un païen te comprend, il y a problème. Tu ne peux pas prendre plaisir. Parce qu'il dit qu'il ne s'assied, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu t'assieds en compagnie des moqueurs tout le temps. Tu ne te rends pas compte que ça t'affecte. Le gars, il se moque de toi. Il te dit, franchement, tu es moche comme un pou. Mais je blague. Et souvent, quand il te dit ça, tu es moche comme un pou, puis tous les copains, ah! Bon, écoute, on va prendre un prénom qu'on ne connaît pas là. C'est quoi? Quel prénom on peut prendre? Berthélémine. Oh, c'est juste une blague. Toi, tu es là. Bon, allez, tu ne fasses pas, on blaguait. Bon, vous blaguez, hein? Ok. Mais quand tu vas à la maison, tu vois le miroir, comme par exemple, tu vois un bouton qui pousse sur le front gauche, tu dis, mon Dieu, ça y est, moche comme un pou. Ça t'affecte. Les paroles que tu entends ne te laissent pas indifférent ou indifférente. Je t'assure, ça t'affecte. Je t'assure. Et il y en a qui prennent plaisir à la compagnie des moqueurs.
Ils se moquent de toi, de ta foi, de ton physique, de ta corpulence, de ton statut. Et toi, tu es là. Ouais, mais c'est quand même mon pote. Ça fait longtemps qu'on a grandi ensemble. Quel pote! Écoute-moi, tout le monde n'est pas ton ami. C'est mon ami, c'est pas ton ami. C'est toi qui es ignorant. Tu vois, Dieu te donne trois types de personnes dans la vie. Des amis pour une raison, des amis pour une saison et des amis pour la vie. La plus grande erreur que tu puisses commettre, c'est les amis pour une raison. En vouloir en faire des amis pour la vie. Des amis pour une raison, vous travaillez ensemble, c'est pour une raison. Tu vois? Des fois, quand tu as quitté le boulot, généralement, tu quittes la relation. Mais toi, tu essaies de maintenir cette relation, même quand elle ne t'apporte rien, elle te détruit. Mais tu es là, c'est mon copain, mon ami. Eh, mon ami, quel copain, quel ami, hein? Enfin bref. La Bible dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la bénit jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En fait, cette personne dont le cœur est rocailleux. En fait, cette personne, elle était dans la joie qu'on était touchés. Elle n'était pas hypocrite, elle était sincèrement dans la joie. Le seul problème, c'est que son fondement était trop léger. Elle manquait de racines profondes. Pourquoi? Il n'y avait pas d'eau. Or, si elle avait observé le psaume 1, verset 1 à 3, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu de l'eau. Parce que la Bible dit, elle serait comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit du fruit en sa saison. Et mais la clé, c'était méditer. Aimer la parole et méditer. Combien de gens entendent quelque chose qui les touche aujourd'hui et qui, tu dis, est-ce que tu as pris ce message pour le réécouter régulièrement? Non, je l'ai écouté une fois, ça suffit. Et puis j'ai pris des notes. Mon ami, quand tu dors, les notes, ça ne suffit pas. Tu dois réécouter, appliquer la loi de la saturation. Pensons, quand je pense qu'en 2001 et en 2002, j'ai mis 4 à 6 mois pour écouter les enseignements, pour écouter une vingtaine de cassettes audio à l'époque. J'ai mis 4 à 6 mois pour écouter Mike Spoonrow. Au début, j'étais touché. Mais tant que tu es touché et que tu n'es pas transformé, tu ne t'arrêtes pas. Tu dois en permanence réécouter parce que la parole est vivante. Et à chaque fois que tu entends, tu comprendras quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu entends, ça va réveiller en toi quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu entends, c'est une vitamine supplémentaire qui est déversée dans ton esprit. Une vitamine. Tu n'écoutes pas et tu es étonné de ce que tu ne changes pas. Mais évidemment que tu ne changes pas. Parce que cette personne-là, la Bible dit que la graine a levé. Donc, on a vu la tige, mais on n'a jamais vu le fruit. Elle est tombée. Elle a jeté l'éponge, elle a abandonné à cause d'un peu de persécution. Investis dans la parole que tu entends. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un conseil. C'est important. Investis. Médite jour et nuit sur ce que tu es en train de comprendre. Ça fait 9 mois qu'on parle de ce même thème. Deviens la personne que tu devrais être, que tu dois être. Depuis janvier, on parle du royaume. Est-ce que tu le réécoutes en permanence? Parce que je ne suis plus, nous ne sommes pas, Dieu n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas impressionné par les gens qui sont touchés. Parce que souvent, ils ne sont pas transformés. 2 semaines après, retour à la case de départ. Encore les pensées impures, encore les mêmes masturbations, encore les mêmes pensées de convoitise, les mêmes pensées d'adultère. Jusqu'à quand cette fatigue? Non, franchement, ça ne te fatigue pas. Ça ne te fatigue pas de faire comme un, tu vois, au moins décolle d'un aéroport, arrive à un autre aéroport, tu décolles du même aéroport et tu reviens encore au même endroit. Mais non, c'est fatigant. Pendant ce temps, la création attend. Les gens se moquent de toi. Ah oui. Ah, la dernière fois que tu nous as parlé, tu avais l'air excité là. Et aujourd'hui, comment ça va? Non, mais aujourd'hui, bon, ça a changé un peu. Ah, mais tu n'as pas de crédibilité. Ils ne te respecteront pas. Et ils ne t'écouteront pas à cause de ta légèreté, de ton inconsistance. Enracine-toi. Ça, c'est des gens qui reçoivent la parole. Ils reçoivent Jésus, mais ils ne changent pas. Et après, à un moment donné, le peu qui avait commencé à germer est détruit. Parce que le soleil, les épreuves ont tout fait disparaître. Et la personne devient rétrograde. Moi, je dis au Seigneur, explique-moi pourquoi nous entendons la même parole, mais nous ne produisons pas les mêmes réactions, les mêmes effets. Il m'a dit, c'est parce que ce n'est pas la même terre. Tout dépend du champ de ton cœur. Et assurément, le problème n'est pas la parole de Dieu. La question est, après avoir écouté tous ces messages, es-tu devenu une incarnation de ce message? C'est ça la question. Es-tu devenu une incarnation de ce message? Si tu ne l'es pas devenu, alors ne lâche pas. Plante, mets l'eau, aime la parole, médite, afin que cette parole puisse abreuver, puisse alimenter plutôt.
le petit plant qui a commencé à pousser. Quelqu'un dit Amen. Et ensuite, il nous parle le troisième type de terre, le troisième type de cœur. Il nous dit, ça, c'est une autre partie, tomba au milieu des épines, et truit avec elle, et l'étouffèrent. Et l'explication que Jésus nous donne au verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ont écouté, ils s'en vont, et vous allez voir que quelque chose a commencé à sortir. Il y a le petit plant qui a commencé à germer, mais ce qu'il a reçu, pendant qu'il recevait la semence, il recevait trois autres types de semences. Les soucis, les séductions de la richesse et les plaisirs du monde, l'amour du monde. Il recevait tout en même temps, au point que la tige de la parole de Dieu qui avait commencé à sortir, qui n'a jamais porté de fruits, mais elle est parce qu'elle a été étouffée, elle a été asphyxiée. Et Jésus dit que c'est lui qui l'a laissé s'étouffer. Ça veut dire que le Seigneur considère que c'est toi le responsable. Le problème, ce n'est pas la parole. C'est toi le responsable. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est typiquement le genre de personne qui peut aller à l'église tous les dimanches. Soit elle y va tous les dimanches, soit elle y va de temps en temps. Mais c'est une personne qui... Tu dois réécouter, appliquer la loi de la saturation. Pensant, quand je pense qu'en 2001 et en 2002, j'ai mis 4 à 6 mois pour écouter les enseignements, pour écouter une vingtaine de cassettes audio à l'époque. J'ai mis 4 à 6 mois pour écouter Mike Monroe. Au début, j'étais touché. Mais tant que tu es touché et que tu n'es pas transformé, tu ne t'arrêtes pas. Tu dois en permanence réécouter parce que la parole est vivante. Et à chaque fois que tu entends, tu comprendras quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu entends, ça va réveiller en toi quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu entends, c'est une vitamine supplémentaire qui est déversée dans ton esprit. Une vitamine. Tu n'écoutes pas et tu es étonné de ce que tu ne changes pas. Mais évidemment que tu ne changes pas. Parce que cette personne-là, la Bible dit que la graine a levé. Donc on a vu la tige, mais on n'a jamais vu le fruit. Elle est tombée. Elle a jeté l'éponge, elle a abandonné. À cause d'un peu de persécution. Investis dans la parole que tu entends. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un conseil. C'est important. Investis. Médite jour et nuit sur ce que tu es en train de comprendre. Ça fait 9 mois qu'on parle de ce même thème. Deviens la personne que tu devrais être, que tu dois être. Depuis janvier, on parle du royaume. Est-ce que tu le réécoutes en permanence? Parce que je ne suis plus, nous ne sommes pas, Dieu n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas impressionné par les gens qui sont touchés. Parce que souvent, ils ne sont pas transformés. 2 semaines après, retour à la case de départ. Encore les pensées impures, encore les mêmes masturbations, encore les mêmes pensées de convoitise, les mêmes pensées d'adultère. Jusqu'à quand cette fatigue? Non, franchement, ça ne te fatigue pas. Ça ne te fatigue pas de faire comme un, tu vois, au moins décoller d'un aéroport, arriver à un autre aéroport. Tu décolles du même aéroport et tu reviens encore au même endroit. Mais non, c'est fatigant. Pendant ce temps, la création attend. Les gens se moquent de toi. Ah oui. Ah, la dernière fois que tu nous as parlé, tu avais l'air excité là. Et aujourd'hui, comment ça va? Non, mais aujourd'hui, bon, ça changeait un peu. Ah, mais tu n'as pas de crédibilité. Ils ne te respecteront pas. Et ils ne t'écouteront pas à cause de ta légèreté, de ton inconsistance. Enracine-toi. Ça, c'est des gens qui reçoivent la parole. Ils reçoivent Jésus, mais ils ne changent pas. Et après, à un moment donné, le peu qui avait commencé à germer est détruit. Parce que le soleil, les épreuves ont tout fait disparaître. Et la personne devient rétrograde. Moi, je dis au Seigneur, explique-moi pourquoi nous entendons la même parole, mais nous ne produisons pas les mêmes réactions, les mêmes effets. Il m'a dit, c'est parce que ce n'est pas la même terre. Tout dépend du champ de ton cœur. Et assurément, le problème n'est pas la parole de Dieu. La question est, après avoir écouté tous ces messages, es-tu devenu une incarnation de ce message? C'est ça la question. Es-tu devenu une incarnation de ce message? Si tu ne l'es pas devenu, alors ne lâche pas. Plante, mets l'eau, aime la parole, médite,
afin que cette parole puisse abreuver, puisse alimenter plutôt le petit plant qui a commencé à pousser. Quelqu'un dit amen. Et ensuite, il nous parle le troisième type de terre, le troisième type de cœur. Il nous dit, ça, c'est une autre partie, tomba au milieu des épines et crut avec elle et l'étouffèrent. Et l'explication que Jésus nous donne au verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ont écouté, ils s'en vont, et vous allez voir que quelque chose a commencé à sortir. Il y a le petit plant qui a commencé à germer, mais ce qu'il a reçu, pendant qu'il recevait la semence, il recevait trois autres types de semences. Les soucis, les séductions de la richesse et les plaisirs du monde, l'amour du monde. Il recevait tout en même temps, au point que la tige de la parole de Dieu qui avait commencé à sortir, qui n'a jamais porté de fruits, mais elle est parce qu'elle a été étouffée, elle était asphyxiée. Et Jésus dit que c'est lui qui l'a laissé s'étouffer. Ça veut dire que le Seigneur considère que c'est toi le responsable. Le problème, ce n'est pas la parole. C'est toi le responsable. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est typiquement le genre de personne qui peut aller à l'église tous les dimanches. Soit elle y va tous les dimanches, soit elle y va de temps en temps. Mais c'est une personne qui sait, je dis bien, elle sait, qu'elle a l'amour du monde, qu'elle aime à continuer de garder les soucis. Et quand Jésus dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui seul prend soin de vous, tu ne le fais pas, parce que tu veux garder tes soucis. Parce que, et puis des fois, il y en a qui aiment bien se plaindre en permanence de leurs soucis. Donc même quand tu veux changer de langage, ils ne veulent pas changer de langage. Et la Bible dit, les séductions des richesses et les plaisirs du monde, c'est ça qui l'a rempli. Voilà le genre de personne qui peut aller à l'église, mais qui a décidé quand même de continuer d'aimer le monde et les choses dans le monde et les choses du monde. Alors que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime l'amour du monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde. Si tu fais ça, tu essaies de servir deux maîtres en même temps. Mais dans la réalité, c'est impossible. Donc tu aimes le monde. Dieu dit, tu ne l'aimes pas, car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Quelqu'un dit amen. Voilà une personne qui va à l'église, mais qui aime les choses vaines, les choses futiles. Dans le cœur, mais le cœur là, mon ami, le cœur. Hein? Si tu fais confiance à ton cœur, tu es foutu. Le cœur de l'homme, dit Dieu, est méchant et tortueux. Même, tu ne peux même pas faire. C'est-à-dire que dès que tu as une victoire, dès que... Quand tu as une défaite, il se plaint. Quand tu as une victoire, il gonfle. Mais cœur, qu'est-ce que tu me veux? Des fois, il est là. Quelqu'un t'a rien fait. Ou des fois, ton cœur commence à être jaloux. Des fois, il est envieux. Des fois, il est amer. Des fois, il est critique. Quelqu'un, tu entends parler d'un accomplissement. Ah, telle personne a eu telle grâce. Tu dis, mais ça ne veut rien dire. Ton cœur, là, tu ne peux pas lui faire confiance. Il y a des gens, elles aiment le monde. Et des frères, ils aiment ça. Il ne supplie pas Dieu de l'en débarrasser parce qu'il aime ça. Ah, peut-être qu'en public, il peut dire, oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Mais en fait, il ne pense pas, il sait que c'est faux. Ses lèvres le disent, mais son cœur est éloigné de Dieu. Il ne soupire pas après Dieu. Et ça, c'est la personne qui a reçu la parole au milieu des ronces. C'est la personne qui va aimer la musique du royaume de Dieu. Ça, c'est un mariage. Tu vas le voir danser. On y va. Et quand le frère Juste l'a dit, tous ensemble. À gauche, à gauche. Adieu, Dieu puissant, il règne, que son Seigneur amène. Et là, il fait. Tout le monde, à droite. On tourne, On y va. Ouais, juste là, c'est comment? C'est comme ça. Go, yeah. Oh. Alléluia. Oh, Dieu bon. Ah, oh, c'est bon de louer le Seigneur. Maintenant, après. Attends. Après. Elle va à un mariage païen. Zouk, là, c'est celle. Zouk, là, c'est celle. Pas pour ça, hein. Zouk, là, c'est ça. Oh.
il est dans un truc païen. Même chose. Et puis après, quand il arrive du côté de Kofi Olomide ou Zaïko. Il y a le même zèle. Il n'y a pas de différence. Ils dansent avec les païens comme ils dansent dans le royaume. Pareil. Les paroles, s'ils s'en foutent, ce qu'ils cherchent, c'est le rythme. Ils sont nombreux comme ça. Et quand il est avec toi, non, frère. Aujourd'hui, la louange était puissante. C'est puissant. C'est moi qui danse, c'est vous qui avez chaud. Il y a 3 ans, j'espère que ce n'est pas toi. Tu vois, il ne soupire pas après Dieu. Il s'en fout. Mais écoute, on était tous comme ça à un moment donné. Mais on aimait tout ça. Heureusement que c'est venu dans l'église. Le rythme est venu dans l'église. Donc certains ont été consolés. Tu vois? Maintenant, en plus, ils disent zouk là, c'est seul médicament. Ça veut dire que le zouk est notre seul médicament. Et puis là, tu es là. Ça hein? Non, non, c'est pas ça. Non, ça c'est. Moi, malade. Yéma, moi, malade. Et puis, il coince la soeur. Hein? Il n'est pas marié. Il a coincé tout ça là. Le pire, c'est les zouk là. Les zouk lents, romantiques là. Ah! Non, mon ami, on était dans le monde. On était païens nous aussi. Moi, quand j'étais en boîte de nuit à l'époque, pff, c'était grave. C'est pour ça que je sais te dénoncer et te détecter. Il y a ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Et la Bible dit qu'il y a ceux qui reçoivent la semence sur une bonne terre. La Bible dit reçoivent là. Ça, c'est des gens qui ont un cœur bon. Notre version dit un cœur bien disposé. Et un cœur honnête, bien disposé, ça veut dire qu'ils veulent y arriver. Ils disent, Seigneur, moi, sincèrement, je veux y arriver. Je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas jouer à la comédie, je ne veux pas impressionner. Non, Seigneur, je veux y arriver. Je veux y arriver. La Bible dit, ils ont un cœur honnête. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des malhonnêtes. Ce ne sont pas des gens qui mettent des masques, ce ne sont pas des manipulateurs. Ils ne sont pas de se masquer, ils ne sont pas de se cacher, mais ils soupirent sincèrement après Dieu. Et quand ils n'y arrivent pas, ils disent, Seigneur, je n'y arrive pas. Quand ils disent, Seigneur, je t'aime, ils disent pas, ah, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Menteur, menteuse. Tu sais que tu mens. Tu mens. Et tu sais, tout le monde sait, le diable sait que tu mens. Tout le monde sait. Pourquoi tu dis ça? Mais il ne va pas dire, Seigneur, c'est l'expression. Seigneur, me voici. Assoiffé. Même quand il chante avec toi, là. Quand il dit assoiffé de ta présence, là. Est-ce qu'il est assoiffé? Est-ce que tu as assoiffé de sa présence? Tu vois, ces gens-là, quand ils disent, assoiffé de ta présence, c'est un soupir sincère. Parce qu'il y a des gens, ils sont indifférents, ils s'en foutent. Et pourtant, au début, il a reçu la semence, mais la semence de la parole a commencé à grandir. Mais en même temps, l'amour du monde. Ah, il faut que j'essaie de faire l'équilibre, j'essaie de rester. Il faut que, bon, d'accord, je peux aller à l'église, je peux aimer Dieu, mais il faut que. Ah, ça, c'est trop bon. Mon ami, la question que je te pose aujourd'hui, c'est quel type de terrain es-tu? Quel est l'état réel de ton cœur? Quel type de terrain es-tu? Parce que le Seigneur m'a dit de te dire que tu n'as pas besoin d'un enseignement de plus. Tu n'as pas besoin d'un message profond, impactant, puissant, motivant de plus. Faux! Tu n'as pas besoin d'un message de plus. Mais tu as peut-être besoin d'un autre cœur. Parce que si tout ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui n'a pas réussi à faire sortir de toi un certain type de fruit agréable à Dieu, alors, je peux te garantir que quel que soit le message que va donner le reste de l'année, ça ne changera pas. Ça ne te changera pas plus. Pourquoi? Parce que ton cœur n'aura pas changé davantage. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas besoin de message de plus? Quelqu'un me dit non. Il fallait que j'entende le message sur que le pasteur a enseigné sur le pensée de mariage, comment faire le bon choix. C'est depuis que j'ai compris la dimension sexuelle, la dimension spirituelle du rapport sexuel. J'ai compris que la femme était le parvis. Et que, en fait, avoir une relation sexuelle illicite,
C'était comme oser profaner le temple sans avoir y été invité. Parce que j'ai compris que le rapport sexuel est une représentation de l'adoration dans le sein des saints. Franchement, je n'ai jamais eu ces enseignements-là. Mais j'ai passé 5 ans sans toucher une seule femme, mon frère. Tu n'as pas besoin. Tu ne peux pas me dire, c'est l'enseignement que j'attendais pour changer. Faux! Tu attendais, il te fallait pas cet enseignement, il te fallait le Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit est la fin de la fornication et de l'adultère. Dis Amen. C'est la présence du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'un message de plus. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne davantage sur comment vaincre le rejet. Tu as juste besoin de recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'enivre. Et quand il t'enivre, tu t'en fous des gens qui te rejettent. Tu méprises l'ignominie. Ceux qui te méprisent, tu méprises leur critique. Tu t'en fous. Tu deviens indifférent. Comme un glace. Et comme un glaçon. Non, mais je dis même pas comme un glaçon. Comme une pierre. La Bible dit, l'Éternel a rendu mon visage semblable à un caillou. Tu n'es plus affecté par ce qu'on pense de toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est embrasé, qui est enflammé, n'arrive plus à se contenir. C'est lui. Tu n'as pas besoin d'un message de plus. D'ailleurs, il a dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne toutes choses parce que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Quand il est en toi, il t'instruit, il t'enseigne. Car il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Et il te parle tous les jours. Ce n'est pas un message de plus, c'est d'un autre état d'esprit ou d'une autre attitude de cœur dont tu as besoin. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Elle est toute puissante. Comment peux-tu expliquer que la même parole réussit à changer le portrait que j'avais de moi et toi ça ne marche pas? D'accord, on t'a dit que tu étais nul, moche, comme un pou, tout ce que tu veux. Hein? Il y a quoi encore? Non, il n'y a pas cherché. Non, on va s'arrêter là. On t'a dit que tu étais nul. Hein? Mais et alors? On a dit ça aussi à d'autres personnes. On a dit ça à David, on a dit ça à tout le monde. Mais pourquoi chez toi, il n'y a toujours pas ce fruit de transformation intérieure? Hier, tu te voyais comme un échec. Aujourd'hui, tu te vois encore comme un échec, malgré tout ce que tu as entendu. Et tu vas dire, non, vraiment, c'est parce que j'ai trop souffert. Faux! C'est pas parce que tu as trop souffert, c'est parce que tu n'as pas réussi à enfanter de ce témoignage qu'on appelle assurance et confiance en soi. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Hier, on m'a rejeté. Alléluia, tu m'as accepté. Pourquoi chez toi, ça ne rentre pas? Non, c'est pas parce que ce qu'on t'a fait est pire ce qu'on a fait aux autres, c'est faux. C'est parce que ton cœur n'est pas le même type de cœur. Soit c'est léger parce que tu ne te satures pas, soit tu veux recevoir cette parole, mais dès que tu la reçois, tu côtoies encore les moqueurs qui disent moche comme un pou. Et tu continues d'aimer l'amour du monde, d'aimer les choses du monde. Non, tu ne peux pas servir de maître en même temps. Voilà pourquoi tu es frustré, ça ne change pas. Comment peux-tu continuer d'entendre ce que tu entends, surtout ici, à ICC? Et tu me dis, j'ai toujours pas confiance en moi. Ça fait 1950 que tu n'as pas confiance en toi. Mais dis-le, ça va venir quand? Quel message changera la donne? Rien. Aucun message. C'est un changement de cœur qui changera la donne. Dieu a planté tellement de graines. Des graines de consolation, d'espérance, de délivrance, de libération, de puissance, de caractère, de joie, de paix, d'amour. Toutes ces graines, Dieu les dépose. Pour que la parole soit faite chair. Mais qu'est-ce que tu as fait avec les graines qu'il a plantées? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'il y a des fruits? On ne demande pas, est-ce que ça poussait? Non, 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 c'est parce que ça poussait. Parce que à part le premier cas, tous les autres cas, la semence a été reçue. Elle est rentrée et il y a quelque chose qui a commencé à sortir. Donc, la personne a reçu Jésus. Elle n'a pas changé. Seul le dernier cas a changé. Pourquoi? Ils avaient un cœur honnête. Ils avaient un cœur bien disposé. Ils étaient persévérants. C'est-à-dire, je ne lâcherai pas prise. Tant que je n'ai pas manifesté cette nature de Dieu, je ne lâche pas prise. Tant que je ne manifeste pas la culture du royaume des cieux, je ne lâche pas prise. Seigneur, d'accord, moi je ne peux pas. Je me sens faible, mais je m'accrocherai à toi. Par ta grâce, Seigneur, je m'accrocherai à toi. Non, j'entends le cri de la création. Il y a trop de gens qui regardent à moi. Trop de gens dépendent de toi. Trop de gens dépendent de toi. Ils te regardent. Ils disent, tiens bon, s'il te plaît, tiens, ne lâche pas. S'il te plaît, sanctifie-toi. Si tu te sanctifies et tu ne tombes pas dans la compromission, au moins je pourrais commencer à véritablement croire qu'il y a des gens qui peuvent être des messages vivants de ce qu'ils disent. Si tu y arrives, au moins, ça va me montrer que c'est possible. Si tu n'y arrives pas, je vais vraiment croire qu'il n'y a personne qui peut y arriver. Si tu ne montres pas le chemin, je veux vraiment croire que cette famille où je suis est maudite et que jamais personne ne s'en sortira. Tout le monde a été égorgé, bloqué. Tout le monde a basculé dans l'amertume, la haine. Si toi, malgré toutes les peaux de banane qu'on t'a mises là, on a mis sur ton chemin, tu arrives à continuer d'aimer les gens, tu arrives à continuer de rester intègre et tu arrives à continuer de sourire et d'aimer, mon Dieu, je me dirai enfin, finalement, je crois que c'est possible. Parce que je verrai plus un livre, mais un message devant moi. Il y a trop de vies qui dépendent de toi. Trop de vies dépendent de moi. Voilà pourquoi Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Sanctifie-toi. Si tu n'y arrives pas, beaucoup vont jeter l'éponge. Tu ne te rends pas compte. Et à quoi ça te sert de gagner le monde si tu perds ton âme?
Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est qu'une fois que la semence qui avait commencé à donner la graine, le petit plant a commencé à pousser, une fois qu'il a séché, il n'y a plus de plant. Une fois qu'il a été étouffé, c'est fini. Donc la personne finit par retrograder. Et les seuls qui restent dans la course, ce sont ceux qui appartiennent à la quatrième catégorie. Mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte que le fait de continuer d'aimer le monde et de vouloir aimer Dieu, tôt ou tard, va te pousser à choisir le monde. Mais ça, tu ne le sais pas. Le fait de continuer d'aimer, être superficiel, être dans la joie aujourd'hui, dans 2 mois, dans 2 semaines, on fait rebelote, retour à la case départ, mais il n'y a coup de pas encore. Alors on dit encore le feu, le feu, le feu, et le feu vient. Et puis 2 semaines plus tard, on redit encore, ah Seigneur, là ça y est, je me suis encore refroidi. Viens encore. Tu ne te rends pas compte que, 1, tu perds du temps, 2, tu donnes le mauvais exemple autour de toi, tes enfants sont en train de voir ce qu'ils doivent imiter. Et 3, c'est une attitude méchante. Parce que tu es en train de priver les autres de la vie, la richesse, le dépôt que Dieu a mis en toi pour les arroser. Puisque tu as compris que tu es la réponse de Dieu au cri de quelqu'un. Puisque tu as compris que tu es la solution de Dieu à un problème. Ça veut dire que quelqu'un attend ce que Dieu a mis en toi. Est-ce qu'il le voit? Où est le fruit? Est-ce qu'il y a un fruit? Je ne demande pas est-ce qu'il y a eu une croissance? Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Non, on ne parle pas d'une amélioration. On parle d'une transformation. Où est-elle? Où est le fruit? Hier, tu étais bloqué. Aujourd'hui, hier, tu étais brisé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es guéri? Parce que si la parole d'hier ne t'a pas guéri, je te garantis que ce que je vais dire demain sur la vision ne te guérira pas plus. Hier, tu doutais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as confiance? Hier, tu avais peur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es rempli d'audace? Pourtant, ce sont des semences, des graines que Dieu a lancées. Hier, tu étais triste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans la joie? Combien de fois t'a-t-on dit, mon frère, ma soeur, il m'aime? Oui, mais je suis seul, je vais marier. Ok, tu as commencé l'année comme ça, d'accord. Tu étais frustré. Aujourd'hui, tu en es où? Toujours la même frustration, la même angoisse. Ah Seigneur, ça ne va toujours pas, il me faut. Mon ami, le mari, la femme ne te rendra pas plus heureux que tu ne l'es déjà. Il y a des gens qui comprennent, et puis ils sont sûrs que oui, mais ça, tu parles comme ça parce que tu es marié. Je t'ai dit, on conseille les couples tous les jours. Et on découvre des femmes qui disent, mais mon Dieu, il m'offrait des fleurs. Pourquoi il a changé? J'ai dit, il n'a pas changé. Il a juste changé de disposition. Il a enlevé sa tenue de chasseur. Il a mis un costume maintenant. C'est tout. Il a enlevé son costume de chasseur. Parce que tant que vous n'êtes pas marié, jusqu'à la veille du mariage, tu vas voir la fleur. Il va me faire comme ça là. Et le jour du mariage, il va te porter comme ça. Quel que soit ton poids, t'inquiète pas, il va y arriver. Alléluia. Non, mais c'est positif ce que je dis. C'est pas mauvais, c'est bon. Dès que le mariage est fini, dès que la lune de miel est finie, terminé, t'inquiète pas. Il met son costume maintenant, il enlève la tenue de chasseur. Tu dis, mais chérie, aujourd'hui, il n'y a pas de fleurs. Je te vais, je suis occupé là. Non, mais alors, tu ne fais pas un bisou. Oh là là, je te dis, arrête. Tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai travaillé. Tu as travaillé quoi? J'ai travaillé. Tu as bossé quoi? J'ai bossé. Tu as bossé quoi? Le boulot. Mais qu'est-ce que concrètement tu as vu qui? C'est toi, inspecteur Colombo? Alors elle vient, pasteur, il a changé, il ne m'aime plus. J'ai dit non, c'est pas qu'il ne t'aime plus, c'est qu'il est redevenu normal. C'est... Qu'est-ce qu'il y a là? Tu ne peux pas dépendre de ça pour être heureuse. Tu ne peux pas, tu n'as même pas le droit, tu perds ton temps. Et puis écoute un peu les gens qui ont un peu de connaissances quand même, un peu d'expérience. Ne sois pas insensé comme la souris. Hein? Ton papa s'est fait gorger là, au même piège. On n'a même pas eu besoin de faire preuve de créativité, de stratégie divine. On met le même appât. L'aïeul passe, l'ancêtre passe, le grand-père passe. Le même appât, le même piège, au même endroit, avec la même nourriture. Vous connaissez l'histoire de la souris, non? On ne change pas de recette. On met le même piège. Le grand-père arrive, il tourne autour de l'appât. Dès qu'il veut toucher, pouf! Le fils a vu et fait la même chose. Change un peu. Sois pas bête comme une souris. Qu'est-ce qui a changé? Parce que si rien n'a changé, ou non, il y a eu une amélioration, non, non, non. Où est le fruit? Où est le fruit? S'il n'y a pas de fruit, ma suggestion est accepte juste que le problème n'est pas la parole, le problème est le terrain. Si tu changes de terrain, il y aura plus de fruits. C'est tout. Maintenant, la tête et prions. Que nos vies. Mm-hmm.
Venez chanter avec moi. C'est un chant nouveau. Entends ces paroles. Vous le connaissez ou pas? Maintenez la tête et priez. Médite, 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 médite. Pendant que ces paroles vont venir dans ton esprit, médite sur ce que tu entends. On y va. Oh. Voir ton air. Nous voulons voir établi sur la nation. Établi d'abord en moi, Seigneur. Oh, entre tes mains. Seigneur, entre tes mains. Fais-le-nous tes âmes. Entends cette prière, Père. Par ta parole, Seigneur. Parfait. Ta parole est parfaite. Elle est pure, elle est prouvée, Seigneur. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. C'est là notre prière, Père. C'est l'expression de ta prière. Seigneur, je ne peux pas rester là où je suis. Je ne peux pas continuer d'entendre et puis de rejeter la semence. Que ton règne soit établi en nous, sur nous, par nous. Entre tes mains, Seigneur. Oh, je t'en supplie, ô Père, entre tes mains. Je me lis et je dis, fais de moi un instrument. Sois le musicien qui joue sur moi, Seigneur. Ta parole, elle est parfaite, elle est irréprochable, elle est sainte, elle est pure. C'est moi qui ai besoin de changer de cœur. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. On dit lorsqu'on ne sait plus quoi dire et qu'on soupire. Pas des soupirs inexprimables. Je ne sais plus quoi dire et je dis. Je répondrai sur mon esprit et vous serez pur. Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. Par ta parole, par ta parole, change ce cœur. Tu vois comment il est mauvais, tu vois comment il est corrompu, tu vois comment il semble, tu vois comment il est pris. Par ta parole.